croisière. Et village, villa. À tout cas, on a poussé le villa. Tu es venu en ville pour fréquenter. C'est ton temps. Attends d'abord. Tu savais que ton temps est reçu. Tu m'avais dit ça, non? Je t'avais dit, hein. Tu m'avais dit. Ton temps est bien super, super riche. Elle a les voitures, non? Elle a une voiture. Elle a dit que comme tu retardives un peu sur les écoles, là, que tu viens en ville fréquenter. Boyam, tu connais le crédit auto? Mais maman, je partais à l'école, non? Tu partais sur l'école, je pense. Voyons, tu penses que si je te laissais sur le village, quel va venir tu en auras? Quel va venir, voyons? C'est pour ça que j'ai pris le missionnement là, puis je te mène ici sur la ville, tu fréquentes un peu, tu aimes un peu le mal diplôme. On crie un peu, Toto. Parce que faut pas que tu parles me fasses honte devant mon sœur, hein? Mais maman, je connais Toto, je connais que Toto est pour écrire Toto, on écrit dans la fabrique française. Écris, Toto te a. Il ne faut pas aller me faire de honte, je fasse le temps, moi, ton maman. Vous le craignez. Te. Voyons, c'est quoi que tu traces la route? C'est quoi? Tu es routier. Je sais qu'écrit te a, Toto. Voilà, tu couvres la tête de terre. Coupe, voilà. Ne coupe pas fort. Refasse un peu. Tu vas aller me faire les honte là-bas devant les femmes là. Voyons ça, les habitudes de mauvais. Viens. Parce que ton temps n'est plus loin. Elles m'ont déjà enlevé. C'est comme ça que tu as mangé tout ce que tu visionnes sur le route. Tu dis, je veux les arachides, je veux le moutouba, je veux. Voyons, viens, tu ne connais rien sur le ville. Tu n'es pas citadinier. Tu n'es pas citadinier. Moi, je suis citadinier. Aujourd'hui, je suis dans le villageoisie, mais je suis toujours citadinier. Faut être citadinier. Qu'est-ce qu'est un citadinier? Qu'est-ce qu'est un citadinier? Un citadinier. C'est quelqu'un que vous en ville. Maman, donc comme il va commencer à vivre en ville, il veut que citadinier. C'est citadinier. Déjà même tu es citadinier. Parce que tu es venu faire les écoles ici, c'est ton temps. Ça veut dire que maman, donc, comme je veux pas, comme je pars en ville là, je vais être citadinier. Tu es déjà en ville, tu es déjà mon citadinier. Hein? Moi, ton maman, je suis citadinier. Toi, tu seras citadinier. C'est le masculin de féminin de nier. Le conjonctif, n'est-ce pas? On parle pas sur ton temps. Ne papa, quand on parle là, ne papa disait sur ton temps que tu veux manger. Il ne faut pas que ton temps te voit que tu es un enfant qui aime le nourriture. Voyons, tu te demandes devant moi que tu manges tout ce que non, je ne mange pas. Voyons, viens, tu ne vas pas montrer ton talent nourritique là-bas. Ne vas pas montrer ton talent nourritique. Comme on arrive là-bas, c'est ton talent, tu dis. Moi, je ne mange pas. Comme on parle comme le blanc. Fais ta promo, moi, je ne mange pas. Moi, je ne mange pas. Oui, tu le bassin dans la bouche, les enfants, vous l'avez. Eh, ben, prends le graisse. Maman, depuis qu'on vient là, même le mintumba, rien, on n'a même pas encore mangé. Tu n'as pas mangé, les arachides de gruyère. Voilà, ne pète pas là-bas, hein. Parce que ton pète, il faut le faire au village. Comme on parle d'arriver sur le ville, voilà, ne pas parler au sale habitude, ne vole rien. Les avocats qui sont l'habitude de voler, viens, ne me donne pas de honte. Tu es déjà citadinier, tu n'es plus villageoisier. Et village, villa, en tout cas, tu n'es plus sur le village. Voyons pas. Tu vas réussir dans la vie. Alors, au nom de Jésus, dis Amen.
Mmh. On va depuis le jour que nous sommes là. Même si on a un couteau, ça fait que comment? Mmh. Je ne connais pas la maison. Quand tu es ici, là, tu es chez toi. Pardon? Oui. Ici, là, c'est le chez toi, c'est le chez vous. Vous passez là-bas, c'est que vous pouvez vous aller pas. Mais sinon, c'est faux. Maman, tu n'as pas besoin de parler. C'est faux. C'est grave. La rentrée, ici, là. Oui, la rentrée scolaire, ici, de cette année-ci. Donc, celui qui n'a pas d'enfant pleure la rentrée scolaire. On va faire comment? C'est ça. C'est dernièrement que je t'ai expliqué que j'étais à deux fois que j'étais au village au deuil. L'enfant, toi, tu ne connais même pas. J'ai ma soeur qui doit arriver ici. Oui, là, ma femme, parce que je ne t'ai pas expliqué la chose. Ma problème, maman, l'enfant là de ma soeur, si je ne récupère pas cet enfant, il sera gâté. D'ailleurs, que l'éducation même, rien. Tu sais un peu comment ma soeur est. Toi, tu l'as déjà vu, je connais. Avec. C'est l'union ta soeur, la glageoise qui aime toujours se mêler de tout là. Merci. Alors, tu parles même de quoi, mais. Merci. Ce que moi, je vais seulement te dire. Récupérer l'enfant de quelqu'un, mais que c'est toi. C'est les problèmes, ma soeur laisse. Pas de problème. On a vécu ça. On a vécu ça. Parce que quand tu prends l'enfant, tu prends avec un bon cœur. Mm-hmm. Mais je te dis qu'après là, tu vas entendre que. C'est toi qui as gâté. C'est l'enfant de ta soeur. Ou alors tu m'as donné que l'enfant est devenu ménageur chez toi. Ou tu m'as donné que c'est l'enfant qui fait déjà tout. Mm-hmm. Sans oublier que toi tu prends comme ça là. Pour aider oh, ta soeur qui a la bouche. Comment alors, je vais alors faire comment? L'histoire de famille. C'est qu'elle dit ça. L'histoire de famille oh. Je jette tout. La chose à autrui reste la chose à autrui. Maman, je suis avec comment? Ça ne doit jamais être pour toi. Tu as vu l'enfant que mon mari a fait de il ne doit que t'appeler ma tante. Tu as vu l'enfant que mon mari a fait de là. Je connais non. Il voulait récupérer l'enfant là. J'ai dit que tu es où? Pas chez moi. L'enfant va rester chez sa mère. Je m'en charge chaque mois. Moi-même, j'irai donner ce qu'il faut là-bas. Je peux prendre car c'est encore bébé là. Mm-hmm. Mais à cet âge là, maman, tu ne prends pas. Pardon, laisse. Tu veux dire quoi? J'ai encadré d'autres chez moi, j'ai encadré d'autres chez moi. Tout petit. Si je te dis ce qu'ils font aujourd'hui, pardon, laisse. Je te dis que le sang de quelqu'un reste au sang de quelqu'un. Non. Tu veux alors faire comment? Oui, pardon. Tu veux faire comment? Ta soeur que je connais, la villageoise est là. Pardon. Laisse ça continuer. Maman. Arrêtez ça aussi. Je t'avais dit. Avec les barres. Regardez, écoutez, elle a toujours. Écoutez, vous parlez parce que mais, vous n'avez pas encore vu l'enfant. Tu sais qu'au village, on ne tient pas compte de l'âge. Maman, aide à distance. On ne tient pas compte de l'âge. Si je te donne l'âge, cet enfant, et la classe qu'il fait. Il fait la classe. Si c'est même beaucoup, hein. Pour élémentaire 1, quel âge donc? Il a quel âge, maman? Il a déjà 19 ans. Hé, hey, maman. Hey. Si je ne me trompe pas. Bon, dis-moi que. 19 quoi? Dis-moi imagine, que... au village, on ne tient pas compte de l'âge. Dis-moi que tu as mis 19 ans. C'est déjà un homme. Tu fais comment? Maman, fais que t'as pas. Si tu vois comment l'enfant là est, je n'ai pas le choix. Là où je suis là, elle doit arriver aujourd'hui même. Je les attends. Ok. Après ton petit-fils. Ah, c'est une fille, ce sont les filles qui accouchent vite. Ah, c'est les garçons laissent maintenant. Les garçons laissent maintenant. Non, c'est les filles qui sont trop jeunes. Un garçon de 19 ans, s'il est même encore, parce que les jeunes filles de maintenant aiment les garçons. Une chance que c'est un villageois. Pardon, je parle. Je si pas ma soeur me trouve ici, la peau, mais que ça bouge sur moi. La paix. La paix est bien. La paix est bien. Du courage. Est-ce que vous avez des problèmes? C'est quoi? C'est ma soeur. Je n'ai pas dit non, ta soeur là, tu te souviens, c'était même la dernière fois où on était au deuil, quand on t'avait accompagné au deuil de ta cousine là, j'avais vu ta tante là, non. Tu sais ce que ta tante là nous avait fait. Ta moi. Soeur ou ta tante? Ma ta soeur. Soeur. Voilà, ta soeur va être désolée. Mmh. Parce que comme tellement elle est fermée. Merci, merci beaucoup. Ah bon, hein. Maman, pardon. Lève ton pas. La femme là. Pas non, attends. Lève ton pas. Attends d'abord, toi tu peux partir.
Je pars alors. Ok. Alors, avance, ma poule. Ouais, tout va passer par là. Passe. Pas continue, là. Elle va venir ici, là. Je l'attends, maman, je vais vous dire. Pardon, restez avec. J'attends, mon nom. Je pars. Bon pied, la route. Merci, oh. Et dès que tu pars, là, on va rester, mais. Oui, oui. Gérer. Oui. Qui va là? Ok, Clarisse où? À Clarisse. Viens. Elle est là-bas dedans. Alors, elle est dedans là où? Entrée. Hey, yeah! T'as vu la maison de ta tante? Comment ça se fait? C'est bien, hein? Ouais, Seigneur! Ça s'occupe, c'est ton maison, c'est? C'est ma copine, là. Ma copine, hein? On veut que le copain met le poison là pour le copain. Elle va mourir. Hey, elle est où? Elle est dans la chambre. Nous, maman, on va prendre place. Est-ce que c'est toi qui nous donne la place aussi? Hey, c'est ton maison. Excusez-moi. Je me parle chez toi. Ça déjà se passe. C'est quoi que tu regardes? Maman, c'est beau. Laisse. Je veux que son dit que est-ce que tu manges? Tu dis que tu ne manges pas. Parce qu'il ne faut pas que tu sois le gourmandise. Tu me suis? Danse. Regarde-moi comment il est. Un peu de bain. Tu m'as pas fait, je sais que tu m'as pas fait. Sors-toi, c'est. La vie à l'aide. Le nuisible. Maman, je suis désolé. C'est passé! Pas, il y a la chaise, tu lui fais asseoir sur ton pied. C'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Porte ton croix. Chacun porte son croix sur la terre. Tu connais pas tout dans le genre le matin. À Clarisse. Oui, ils sont déjà là. Ils sont là. Mmh. Ne bouge pas le pied, hein. Ce n'est pas que je porte aussi ton bougeage de pied. Non, hein. Enfants. Je vois. Elle est bien m'occupée. Maman. Il est déjà coupé. Ah. Ma soeur, mais c'est comment? Ah, le feu là, blague. Mon père, comment on te porte seulement comme si tu étais bébé? Ah. Et mon père a grandi. Oh. La blague. Maman, dis là, ma soeur. Ah, je fais, je fais là. Ouais. Ma soeur à moi, hey. Maman. Maman, tu sens toujours le parfum. Ouais, le maman. De là, maman. J'ai dit à Clarisse. J'ai dit. Viens te passer. Tu peux vous en sortir avec votre soeur ici. Qui ça? Elle là. Là, ça, c'est une sacre. Je ne demande pas. Après, il faut que je parle, moi. Quelle entre là, je lui dis, Arita, elle me dit que je ne suis pas chute. Ça, assois-toi, maman. Moi-même, lève-moi, je lui dis deux mots. Ça, assois-toi. Je lui dis deux mots, là. Assois-toi. Maman, calme ton nom. Viens, viens, viens. Tu veux faire un peu de temps. Pas. Reste avec ta soeur. On n'y a pas les nourritures. Après, on ne faut pas. Chez okay. Toi, tout ça va, c'est que le copain font au copain. Viens d'où? Faut d'abord t'asseoir, mon père. Ouais. C'est comment? Elle est là. Ouais. Ne lui portez plus, c'est comment elle est bébé. Est-ce qu'il est bébé? Ah, tu sais que comme je ne connais pas ce que celle qui était là, les gens gardent les enfants de gens maintenant. C'est toi alors. Quelle joie. Tu vas t'asseoir où? Sois-toi sur le sol, tu te sois où? Sur le chaise. Tu te sois sur le chaise. Lève-toi. Faut t'asseoir là-bas. Ah, elle va saler le chaise. Saler comment? Sois là-bas. Faut t'asseoir là. Hey! Coucou! Ok. Tu vas mettre ça avant le bousou. Maman. Hey. Mon père. Dans ton sac de zabou. Assois-toi ici, son sac de zabou. Assois ton sac de zabou ici. Ah, on va mettre sur le chambre, non? C'est le sac de quoi ici? De zabou de boya. Il y a tout, il y a le caleçon, il y a tout ça. Il y a le chaussette. J'ai fouillé même son chaussette que tu avais acheté les fois dernièrement. J'avais un pied. C'est ça que c'est un peu en bien, faire les choses. Je lui ai dit que ce n'est pas mon pied, le chaussette que tu vas passer avec ça sur ton vie, ton tante. Donc, montre la fourniture scolarité à ton tante. Fourniture yéni, la fourniture à. Où est le crayon? J'ai acheté un bas de crayon.
Voilà, je vais encore acheter l'autre bar le trimestre prochain. Oui, tu as pas coupé les graisses. Oh. C'est le sac même que là. Son sac de école, je vais acheter ça, c'est 50. Son sac de école. Le sac noir, donc je vais te donner son canne là. Tu vas rester lui acheter le sac. En gold. Tu dis que c'est quoi ici? Le sac des habits de Mboya. De fourniture scolarité de Mboya. Quand il va aller à l'école, c'est comme ça qu'il va partir. Oui, il a gâté le sac. L'année passée, il a gâté le sac. Oui, attends, j'ai acheté le wawa. Le sac de 50 là, le plastique 50. Mboya a déchiré le sac. Les enfants qu'on couche maintenant. De toutes les façons, ça va, je vais lui acheter le sac. Mon sac, ce n'est pas cher. Tu achètes les 50, les 10. Je vais t'acheter le sac, hein, mon père. Merci, merci. Non, on est ça là. C'est toi, il n'a pas les habits. Et là, ok. J'occupe de mon enfant. Voici un tenu, voici deux tenues. Ça veut dire qu'il a les habits. Et là, là. Non, il n'a pas les habits. Maman, il n'a pas les habits. Tu n'as pas les habits. C'est comment ouais, je vais lui taper les moustiques. Tu n'as... Il n'y a pas les moustiques ici. L'enfant déclare qu'il n'a pas les habits, tu lui tailles. Maman, tu peux bouger un peu de l'eau. Bon, de l'eau. C'est tous tes habits là-bas. Les habits que j'étais acheté la dernière fois quand je venais là-bas, c'est où? C'est ici? Où? C'est comment? Je n'ai plus les habits. Tu veux encore lui taper? Non, aujourd'hui seulement les ceintures, c'est que tu... Maman! Laisse, je vais t'acheter les habits. Tu as compris? Je vais t'acheter les habits, hein? Ici, c'est la ville. On n'est pas ici au village. Là, les habits, sinon, est-ce que je néglige mon enfant? Est-ce que je suis une femme négligée? Elle a les habits quand tu dis que... Voici une tenue, voilà l'autre. Ça veut dire que l'enfant a les habits. Tantie, on peut propagande là. Ça, on fait les propagandes. Non, 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 non. Tu mets le drap sur les fenêtres. Ce n'est pas le drap. Boya, non. Boya, tout ce qui sortira de sa bouche, de ton bouche, sera le tien quand je prends l'ordre du processus. Boya, ferme le bouche. Ce n'est pas le drap, c'est quoi? C'est le berido. Boya, si tu ne connais pas quelque chose, viens de ma boya, dis-moi. Ferme ton bouche, je ne me sens pas le honte. On te commande, Boya, mais chez lui, il pose les questions. C'est le rideau. Dis rideau. 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 C'est le rideau. Ça empêche aux moustiques d'entrer. Et ça embellit la maison. Attends, on va le quand... Voilà. Je t'apporte de l'eau, hein. Porte-le. Je t'apporte de l'eau bien glacée. Je t'apporte quoi? Tout ce qu'il y en a, est-ce que je suis famée? Je t'apporte aussi à manger. J'ai préparé, je savais que vous allez venir, non? Ah, moi, j'ai... on n'a même pas trop faim. Tu as préparé quoi, ça? On n'a pas trop faim, on n'a pas trop faim. Si toi, tu n'as pas faim, lui, il a faim. Est-ce que la faim? Oui, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? De toutes les façons, je vous apporte à manger. Ah, comme tu sais. Et oui, je vous apporte à manger, hein? Et mon père, je t'apporte à manger, hein? J'arrive, attendez-moi. Mais là, je mets pas beaucoup. On mange là-bas aussi au village, on a les vignes là-bas. Ma famille est là. Ah là là. Que le sait. Ma famille à moi. Boya, tu t'as pas dit ça. On arrive sur ton père, tu dis que tu n'as pas fait. Boya, tu t'as pas dit ça. Boya, mais ne le tire, ne le tire, ne le tire. Moi, je me disais qu'on n'a pas mangé. Allô. Hey, quelle joie d'être en famille. En famille. Ma soeur et mon fils. Hey, yeah. Ça va prêter le menu. Ça va. Ouais. La moustique. C'est comme si je suis venu avec le moustique dans le sac. Hein. Voilà. Attends. Tu touches quoi? Je tape parce que. Tu sais les choses que non, ma soeur chérie a préparé. Attends, je t'explique. Quand yes. Tu vois la nourriture, je dois te montrer ce que c'est que la nourriture. La nourriture que mon soeur a. Avant que tu l'expliques, moi je vais garder. Ah, moi-même, ça va de côté. Laisse le tec-tec. Laisse le tec-tec là. Ok, bon. Laisse l'enfant manger. Il est trop pressé. Tu ne t'es pas présenté le menu. Ça, c'est quoi? Le tec-tec.
Maman, le tic-tic, c'est quoi? C'est le fruit. C'est ça que les gens, les gens de ville mangent. Ce n'est pas le mangue, ça. Nous, la seule habitude, c'est le mangue, le baboka. Ça, c'est le tic-tac. Et si c'est le jus. Et si c'est le jus malbeta. Et si c'est le poulet. Mon père, mange, nous. Mange, mange. Et te dérange. Mange. Manger. Va te nourrir. Maman, oh, dis-là. C'est comment elle nous recevra au village. Ici, on n'est pas au village. Il va apprendre à manger seul désormais. Tu ne seras pas tout le temps avec lui. Voyons. Eh, Seigneur. Voyons, c'est le gros poulet que tu veux prendre. Excuse. On n'a pas trop faim. Hein. On y a la nourriture au village. On a mangé au village fatigué. Voilà ta Martha, je sais que toi tu aimes toujours à Martha. Ouvre-moi ça, maman. En bois. Voyons, un petit buvet, un petit pause. Ouais. Papa, on boit doucement. Hein. Quand tu bois, tu déposes. Tu bois un peu, tu déposes. C'est comme ça en ville. D'accord? On n'a pas faim, maman. C'est que comme tu en soutiens. On a mangé au village. On a mangé au village. On a mangé au village. Où là? Maman, tu as replacé là. Je vais mettre le jus. Mettre quoi? Le jus. Mmh. Oh. Mmh, comment? Laisse l'enfant manger. Faut d'abord lui laisser manger. Tu m'as le jus, mais je vais laisser manger quoi ici? Ah, que le chaud de blanc, le tec-tec. Maman, coupe-moi là. Coupe-moi là. Coupe-moi là. Tu rentres quand? Ah, tout à l'heure. Ah. Ok. Tu vas me chasser? Je ne te chasse pas. J'ai seulement demandé. Parce qu'il faut que tu laisses mon fils respirer. Mm-hmm. Il faut qu'il mange avant que les classes te commencent. Ouais, on ne met pas le manque dans le sac. Il y a quoi dans le sac? Regardez mon petit poulet là. Ah, que mon petit poulet. Tu vas garder à qui là-bas? Tu vas manger plus tard. C'est quoi encore? Eh que ma sœur chérie, maman. Je veux donc partir maintenant. Je remercie le bon Dieu qui a permis que tu prennes bon à ma ville cette année. C'est vrai que l'impéligent, mais je savais que il va être plus intelligent que ça. Parce que le ville ouvre les menores. Donc le menor de Boyan va ouvrir. Et je crois que l'intelligence va multiplier. Non, ne t'en fais pas pour ça. Hein. Mm-hmm. Comme il est déjà là, c'est le plus important. Qu'il soit ouais. Là. Hmm? Tu connais même le classe de Boya. Il est intelligent. Hein. Il fait quelle classe? Boya m'a réussi. Il est parti sur le CP. C'est dit. Quoi? Mm-hmm. C'est quoi? Le CP. Au CP. Mm-hmm. Le coup préparatoire. Le coup préparatoire. Coup préparatoire. Le coup préparatoire. Bon, y'a m'si là. Comme tu entends là. Et tu, dis qu'il est sage. Elle n'est pas sage. Coup préparatoire, bon, y'a m'si. Et tu dis qu'il est sage. Tu oses dire que bon, y'a m'si est sage. Maman, au village, y'a même encore les enfants les qui me dépassent là-bas. Ils sont à la maternelle. Y'a m'y a ou la femme la bouche. Hein? Quand le grand parle. Parce que c'est sur le bavardage, même qu'on connaisse que c'est quelqu'un. Mais tu te l'aimes pas le temps, non, maman? C'est quoi? Bon, Yama, quel âge? Elle est née là. Il est né là comment? Elle est sans enfant. Je crois que, si je me souviens bien, c'est quand j'avais accouché Ange.
que tu avais aussi accouché Borian. Et tu me dis que Borian est au coup préparatoire. Tu crois que tu te souviens quoi? Tu crois que tu te souviens que Borian est un croquant? Borian est un enfant de yeah yeah. Tu le vois avec le barbe comme ça, le petit barbiche là, c'est parce que l'Evely, il a les cheveux comme son papa. Borian, tu dis que tu... Ici c'est la ville, hein? On va inscrire Borian au cours préparatoire ici en ville. Tu le mets là-bas. Tu le dis à son maîtresse que il connaît, c'est son vaudoise, non? Donne-le son vaudoise là, il le crie. Il connaît parler les anglais, il connaît parler le... Borian dit « Where are you? » « Where are you? » Alors, hein? Where are you? Tu as dit? Where are you? Why? Why are you? Voilà, Toto se crie T A T Y. Flody, je connais. Elle est un peu les gens. Tu vois, j'espère que tu es un citadien, non? Citadien. Non, c'est moi le citadien. Le citadien. Non, le citadien. Toi, tu es un citadien. C'est le pluriel et le masculin. De toutes les façons, comme tu rentres aujourd'hui, cette situation-ci, je vais rester voir comment la gérer. Parce que là, ma tête va exploser. Là. Il faut que je dorme pour voir comment réfléchir le lendemain sur la situation de Borian. Borian. Ça, c'est être ça. Borian, elle est en train de nous former que ton enfant là. Elle est sur les universités. Tu t'as dit que la situation, si. Elle n'a même plus besoin d'en parler. Il faut que je dorme pour que. T'as dit, le Seigneur me donne une autre vision sur l'histoire de Borian. Maintenant, c'est le Seigneur qui donne intervention sur la vie de Borian. Il le faut. Depuis que j'ai dit que je dois t'amener sur le pasteur. Il le faut. Maman, je veux que tu te possèdes. Il le faut. Borian. Maman, après le CP, c'est le cité, non? C'est. Après quoi? Tu m'as dit que après le CEP c'est le cité d'où l'âme. Les gens vont sauter, c'est ça que tu dis le sauter. Hey, Ngambata! Oh yeah! Maman, reste avant moi, moi-même, je ne peux pas vivre ma vie. Au revoir.